Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne TGS Rockstar Club pour le jour numéro 3 des photographies animalières. Et donc, bah, vous voyez, comme hier, c'est bien ce que je disais, je reçois pas de mail, je sais pas pourquoi. Du coup, je me suis rendu, comme d'habitude, hein, à l'emplacement que je vous ai montré les 2 jours précédents, c'est-à-dire à l'entrée du parc national du Mont Chiliad, juste ici, à l'office de tourisme de Los Santos. Donc, au niveau de ce panneau, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je vais faire flèche de droite, vous voyez, tac, et là, je reçois le mail tout simplement de l'office de tourisme. Donc aujourd'hui on a chat, caniche, mouette. Bon bah la plupart des trucs en fait à prendre en photo aujourd'hui, on va pouvoir le trouver en ville. Les mouettes on va les trouver sur la bord de plage, sur le bord de la plage, sur la côte ouest de Los Santos. Donc voilà, bon, on va se rendre directement vers la plage. Je pense que le plus chaud en fait ça va être de trouver le caniche, parce que là c'est vraiment un chien spécifique. Le chat, bah voilà, on va retourner à un endroit, on va aller à un autre endroit. Je vous en ai montré un hier, je vais vous en montrer d'autres aujourd'hui pour les spawns de chats. Puis les mouettes, ouais, non, les mouettes c'est le plus simple, je pense. Allez, on va attendre qu'il fasse jour. En attendant, je vais aller directement à la plage de Los Santos sur la côte ouest. Allez, nous voici sur la côte ouest de Los Santos. Du coup, on va commencer par les mouettes. On entend des mouettes au loin. Mais où elles sont exactement? Ah bah voilà! On a des mouettes là. Le temps que ça prenne là, le temps que tu allumes l'appareil photo, Fada, t'en as pour un quart d'heure. Ah, là je suis trop loin. Comment on va faire là? Là, j'en ai une juste là. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Allez, la mouette, on l'a eu. Donc, vous pouvez en trouver facilement à la plage, hein, du côté de Los Santos. Vous voyez, là, il y en a même une qui marche là, regardez. Je vais la rec au passage. Vous voyez, elle marche ici, là. Hop, voilà, ça, c'est une mouette aussi. Sur cette côte là, mais de toute façon au bord de la mer, vous risquez d'en trouver facilement. Quand j'ai passé le pont du Mont Chiliad, du Fort Zancudo tout à l'heure, j'en entendais aussi passer, j'en entendais qui volaient autour, donc sur les côtes, vous pouvez en trouver assez facilement, je pense. Mais ici, en tout cas, vous pouvez venir en te chercher, quoi. Bon, dans cette zone là, j'ai l'impression que c'est un Labrador, hein. Au bord de la plage, là, ici, voilà, au niveau des canaux de Vespucci, on a spawn de Labrador. De toute façon, regardez, j'ai un chat ici, dans la ruelle là. Donc c'est parfait. On va le prendre en photo et puis voilà, il restera plus que le caniche. Je vais éviter de l'écraser par contre. Minou, minou, minou. Viens là, le petit minou. Le temps que j'allume l'appareil photo. Ah, putain, c'est vraiment trop lent ça, il faut qu'il fasse quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il est mort? Ou il dort? Ah non, il dort. Oh, tu es mignon! Ah, je vais le rec comme ça. Sympa comme ça. Ah ouais, ça ronfle. Ça ronronne. Ok, bon, le chat, bah c'est bon aussi. Du coup, bah vous voyez, dans la zone de la plage, j'en ai trouvé un aussi là. Mais de toute façon, c'est ce que je vous disais hier, vous voyez, dans les petites ruelles comme ça, on en trouve facilement des chats en ville. Là, toujours au niveau des canaux de Vespucci, on a un autre type de chien, mais je pense que c'est un labrador aussi, mais un... ou alors un autre, je sais pas. Il est plus foncé celui-là. Moi non, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, si jamais vous cherchez, vous savez ce que c'est comme chien. Voilà. Il y en a un aussi de ce type-là, ici. Bon, on a pas mal de chiens hein, dans la zone de Vespucci, là. Vous voyez, là, on a un border collie, j'ai l'impression. Je crois que c'est un border collie. Voilà, donc toujours au niveau des canaux de Vespucci, on a pas mal de spawns. Là, il y en a un plus loin, je vais aller voir ce que c'est. Après, les caniches, je pense que. Ça... Oh, ou alors, c'est ça le border collie. Putain, à chaque fois, je sais pas, je confonds. Voilà. Donc là, on a plusieurs races de chiens hein, dans la même zone hein, en vrai. Ils se baladent aux alentours de 8-9 heures du matin dans la zone là.
Caniche, alors honnêtement, les caniches, je pense que c'est dans les quartiers riches. Hein, généralement, les caniches, on les voit souvent, c'est le cliché avec les pop stars et tout comme ça. Ah, là, j'ai entendu un chien aboyer différemment. Un peu à la, un peu comme des caniches d'ailleurs. Bon, on est dans les quartiers riches et on croise encore la même espèce que j'ai croisé hier là. Donc là les petits chiens là un petit peu. Donc il serait pas impossible que dans cette zone là on trouve un caniche. Je vais continuer à tourner un peu. Je pense aussi du côté de l'allée principale de Vinewood, là ici le centre de Vinewood, je pense qu'il peut y en avoir aussi. Je vais faire un peu le tour et on va voir. Ah, vous voyez, il y en a encore un ici. Toujours dans la même zone, hein, du côté de Ponsonby, là. Dans cette zone-là, au quartier riche, quoi. Bon, en tout cas, cette espèce de chien, on en trouve un peu de partout. Hein. Là, j'ai quitté un petit peu Roxford Hill, je suis à Burton. Pas loin du Los Santos Custom d'ailleurs, et ouais, on en voit encore. Hein. Mais toujours pas de caniche. Loin du LS Custom, on a un spawn de caniche. Voilà, on en voit un ici. Vers 15h30, je sais pas si elle spawn toujours vers cette heure-là, mais voilà, en début d'après-midi, vous en avez un qui marche ici. Juste en face du LS Custom, vous voyez. Donc allez, on va le prendre en photo, et puis voilà, on aura fini pour aujourd'hui. Hop! Voilà, 40 000 en bonus, plus les 20 000, 60 000. Et on a encore fini une liste d'animaux pour aujourd'hui, les Breakers, en ce samedi 6 janvier. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Si vous avez les mêmes espèces que moi à récupérer aujourd'hui en photo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Si vous avez des spawns que vous ne trouvez pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous entraider en commentaire et puis à rejoindre le Discord évidemment si jamais vous voulez plus d'aide. Mon Discord est dans la description de cette vidéo, le lien pour y accéder en tout cas, comme tous les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X et Instagram, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez vous abonner en activant la cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. On se retrouvera ce soir pour une nouvelle vidéo présentation custom et test en avant-première d'un futur véhicule du DLC de Chop Chop. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne après-midi et je vous dis à ce soir. A très vite. Ciao.